Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. On parlait de la presse la semaine dernière parce que c'était la semaine du 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Le calendrier ne l'a pas permis. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir M. Chérif El-Skri pour parler justement de la presse et du modèle économique de la presse, puisque nous sommes dans une émission d'économie. Alors, je vais dire tout de suite, comme entrée en matière, la presse, est-ce que ça permet de gagner de l'argent? Est-ce que ça permet de bien vivre? Enfin, bien vivre, je ne sais pas. Les journalistes sont la population la plus touchée par la mort précoce, si vous voulez. Hein. On a beaucoup d'amis qui sont à 52, 53, 54, 55 ans. Maintenant, gagner de l'argent, il faut gagner de l'argent parce qu'on est dans un modèle capitaliste. C'est-à-dire, on n'est pas le secteur public. On n'a pas d'argent, on se dirige au trésor. Ça, c'est le système soviétique, si vous voulez. Et on est dedans, dans le domaine, en ce qui concerne le public. Donc, tous les médias publics, je crois qu'ils sont déficitaires. Alors, je vais actualiser ma question. Est-ce que Al-Khabar, que vous dirigez, évidemment, il y a des filiales autour de vous, on en parlera un peu plus tard. Est-ce que le Khabar a fait une bonne année 2014, en dépit du fait qu'on vous a beaucoup entendu sur la baisse de vos revenus de publicité? On a fait une bonne année parce que, on a un peu serré les boulons, les vis, et on a aussi compensé un peu le manque à gagner en matière de publicité à cause des injonctions des autorités politiques au niveau des annonceurs privés pour qu'ils cessent de donner leur publicité à Al-Khabar et à Al-Watan. On a procédé à une révision des prix de vente publique. On est passé de 10 dinars prix de vente, qui est très dérisoire, parce qu'il ne couvrait même pas l'impression et les invendus. On est passé à 15 dinars en février 2014. Et à 20 dinars en décembre 2014, de la même année. Sachez que les prix de vente des journaux n'ont pas évolué depuis juin 1995. Alors, donc une vingtaine d'années. Vous avez touché au prix. Est-ce qu'on peut dire que si vous n'aviez pas agi sur le levier des prix en 2014, vous auriez fait une année déficitaire, éventuellement? Très possible, oui. Très possible, parce qu'on est passé d'un pourcentage des ventes qui était de 50%, peut-être 50-50, à 70% de ventes et 30% de la publicité. C'est ce qui a fait que le Khabar résiste beaucoup mieux. D'accord. Qu'on a fait, au début de l'année 2014, des augmentations de salaire. Pour nos journalistes, nous sommes un groupe de presse, mais je parle d'Al-Khabar, qui avoisine l'augmentation de salaire, c'est 6 millions de dinars. Parce qu'on entend parler les autorités, un ministre qui dit que les journaux ne s'occupent pas des journalistes. Le journal Al-Khabar est une entreprise très bien organisée. Nous payons les impôts à temps, la CNAS à temps, et nous payons les journalistes à temps. Et les journalistes sont bien payés. Nous avons augmenté le salaire en mars 2014, l'augmentation nette, 6 millions de dinars par mois. La masse salariale, c'est quoi? La masse salariale mensuelle, c'est à peu près 30 millions de dinars. 28, 30. Pour combien de masse salariale? Du journal. Le journal, ouais. Pour combien de personnes? Vous y compris, il y a à peu près 200 personnes, plus les collaborateurs, il y a les pigistes aussi. Hein, les pigistes, donc... Nous payons à peu près 35 milliards, 350 millions de dinars par an, que l'on a compris, bien Alors, sûr. Alors, puisque nous parlons de chiffres, on peut avoir une indication sur l'évolution de votre chiffre d'affaires en 2014 par rapport à 2013? Le chiffre d'affaires en 2014, il se situe à peu près dans les 165-166 milliards de centimes.
Donc, avec un recul de 10-11 milliards par rapport à 2014. Par rapport à 2013, vous avez reculé. Par rapport à 2013, oui. Donc votre chiffre d'affaires a baissé quand même. Bien sûr qu'il a baissé. Quand vous avez, par exemple, le chiffre d'affaires... Vous avez dit, M. Chifleski, il a baissé de combien À peu près 10 milliards. D'accord. De centimes. Oui. Et le chiffre d'affaires de la publicité a baissé de 13-14 milliards. Et la tendance va en s'accentuant pour 2015. Les quatre premiers mois 2015 sont loin des quatre premiers mois de 2014. Ils sont encore plus loin des quatre premiers mois de 2013. Alors, donc, on va revenir à votre modèle de comment vous fonctionnez, etc. Mais, donc, vous avez dit, avant l'arrivée du gouvernement dans lequel figure, on va nommer les choses comme il le faut, M. Hamid Green, le ministre de la Communication, avant l'arrivée de son gouvernement, dans votre business model, c'était 50% de revenus venaient de la publicité, 50% des ventes. Des ventes, tout à fait. Bien, alors maintenant, la part de la publicité dans vos revenus est descendue à 30%. Un peu moins de 30%, peut-être. Peut-être un peu moins de 30%. Ouais. Alors, on a aussi invité M. Amar Belouchet pour cette émission. J'espère l'avoir bientôt aussi pour parler de l'Ouattan. Mais concernant le Khabar, est-ce qu'on peut dire que le Khabar s'est quand même maintenu comme le premier groupe de presse en Algérie, en dépit de tout ça? Oui, groupe, bien sûr. Je crois qu'on est le premier groupe de presse avec sept filiales, dont quatre qui nous appartiennent à nous seuls. Trois qui sont en JV, en joint venture avec l'Ouattan. Avec nos amis de l'Ouattan, oui, c'est ça. Donc, nous avons décidé d'investir dans le secteur de la presse, pas dans l'hôtellerie ou depuis 1997. Vous connaissez des collègues à nous qui ont investi dans l'hôtellerie avec des gens qui de ont des hammams, oui, bien sûr, bien sûr. Des hammams, donc... Gomme bien leur face. Avant de passer parler de diversification, moi, je voudrais qu'on mette les choses au clair sur les recettes publicitaires. Donc, vos recettes publicitaires, en 2013, elles étaient de quel ordre? Ils étaient de 780 millions de dinars. 780 millions de dinars, ouais. En 2013. 780 millions de dinars, ça veut dire 750 millions. 750. Ça veut dire 75 milliards de centimes. 75 milliards de centimes, ouais. C'est ça. Ouais. En 2014, ça descend. On est à 65. À 65. Ouais. Donc, milliards. Et la tendance en 2015 est la tendance, c'est à peut-être, 9, c'est peut-être 40. Si on va sur le même rythme des 4 premiers mois. J'ai les chiffres des 4 premiers mois. Ils sont en tête, bien sûr. Alors, cette baisse, vous l'attribuez, vous, clairement, aux injonctions adressées par le ministre de la Communication aux annonceurs privés, puisque vous avez essentiellement des annonceurs privés. 90% au ministère. À 10%, peut-être, il y a beaucoup d'annonceurs qui sont partis vers l'Internet et surtout les télévisions. Mais pas beaucoup l'Internet, je suis bien passé pour vous dire, c'est surtout la télévision. Peut-être la télévision. Mais nous, même la publicité Internet, elle a baissé en 2014, par rapport à 2013 et à 2000. Qu'est-ce que vous avez perdu comme annonceur? Quels sont les annonceurs qui vous ont quitté? Je ne vais pas citer les annonceurs, mais ils sont dans quel secteur? Il y a beaucoup d'annonceurs qui ont cessé complètement de donner de la publicité à tout le monde. On ne vous a pas entendu réagir à ce qu'a dit M. Jed Ouridou. On ne vous a pas entendu réagir. Je ne voulais pas. Moi, j'ai réagi par rapport à ce qu'a dit le gouvernement. Parce qu'un opérateur économique, il est libre de dire ce qu'il veut. Il est libre de... Je ne le défends pas. D'ailleurs, M. Jed ne donne plus de publicité depuis mai. Moi, je me demande. Bon, mai 2014. Depuis mai. Donc, moi, ça c'est un parmi les annonceurs qu'on a perdu. Donc, et que tout le monde a perdu. Toute la presse privée... public et privé, je veux dire toute la presse écrite a perdu. Ben, on ne va pas parler d'un annonceur. On va revenir aux injonctions, sauf si Hassan veut rester dessus. Non, moi je voudrais préciser, vous n'avez aucun annonceur public, vous, les annonceurs publics, non, vous n'en avez pas. Pas du tout. Donc vous vivez uniquement... Nous sommes interdits de publicité publique institutionnelle, qu'on dit ANEP, Depuis quand? Depuis 1998. Ouais. Et depuis le début du journal, on a eu des problèmes. La première circulaire, c'était de Bled Abdeslam en 1993. Elle rétablissait, elle a établi un monopole sur la publicité pour dire que c'est la NEP, mais pendant 3 ans.
En 96, elle a été reconduite comme ça par Ouyahia. Et on vous donne un quart, dans un mois, on vous donne une page. Donc, on a toujours eu des relations. Ce chiffre, donc, le Khabar a subi donc un premier choc de sevrage de la publicité de la NEP en 98. Comment à l'époque, il avait réussi à s'adapter? On n'avait pas beaucoup de publicité à NEP, même avant 98. Donc, c'était plus par les ventes. La dynamique, c'était les ventes. Oui, c'est la vente. Oui, à l'époque, c'était rentable parce qu'à l'époque, le journal était à 98, bon, peut-être 300 000 exemplaires. Après, il est monté jusqu'à 400. Mais on gagnait de l'argent à l'époque parce que les frais étaient beaucoup moins importants, les dépenses beaucoup moins importantes. C'était la cherté de la veille. En 98, on pouvait payer un journaliste pour 20 000 dinars. Et donc, et la réponse aujourd'hui à cette nouvelle baisse de... Enfin, on va dire, ce nouveau choc, là. En 98, on vous a enlevé la NEP. Aujourd'hui, on est en train de vous enlever une partie de vos annonceurs privés. C'est l'ajustement par les prix. Est-ce que ça a beaucoup impacté vos ventes, l'ajustement par la hausse des prix? Oui, nous avons perdu des parts de marché, nous avons perdu. À chaque fois qu'il y a augmentation du prix du journal, vous avez à peu près 15%. Au moins 15% des... Pour une évolution du 5 dinars de plus. Du tirage, oui. Vous tirage, savez quel tirage 15. Aujourd'hui? Nous sommes à 270 000 exemplaires. Ouais. Tirés, et vendus 84-85%. On régule le tirage. Et nous étions le 1er février, avant l'augmentation vers 15 dinars, 400 000, le 31 janvier. Donc on a baissé volontairement à 337 000. Premier jour, 1er février, pour voir le marché presque. Après, on est remonté jusqu'à 350. Et puis, le tirage, c'est des périodes. Vous avez le ramadan qui va venir, on va augmenter les tirages. Septembre, août, vous aurez un mois très, très creux, parce qu'à cause des... Que ce soit la publicité ou les ventes, parce que tout le monde qui sont en vacances... Cette baisse du tirage, vous l'attribuez uniquement à l'augmentation, à l'ajustement des prix, ou vous pensez que c'est une tendance lourde? Non, qui est liée une tendance lourde. Il y a les chiffres de l'OJD pour l'année passée, certains journaux, c'est 19% de recul, de baisse. Des journaux qui n'ont peut-être pas changé leur prix, pour certains journaux. Donc. Enfin, ils ont changé leur prix, mais après nous. D'accord. Après nous. Nous, on est parti à 15 dinars, on est passé le... 1er février, eux, ils ont attendu, je ne sais pas combien, je ne me souviens pas, mais au moins 2, 3 mois, 4 mois. Alors, vous avez baissé vos ventes pour vous ajuster, mais la marge supplémentaire que vous avez, aujourd'hui, est-ce qu'elle compense largement cette baisse des tirages? Elle compense largement à un double sens, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on va payer moins à l'imprimerie, comme le tirage a baissé. On paye moins à l'imprimerie. D'accord. Et on a plus de revenus. Donc, la différence, elle est conséquente, ce qui fait qu'on peut se permettre... Alors, je vais vous poser la question autrement maintenant. Est-ce que, quand même, la tendance à la baisse du tirage de l'Khabar n'est pas aussi un des éléments qui fait que vous avez moins d'annonceurs? Non, parce que les annonceurs venaient à l'Khabar parce que l'Khabar était le premier tirage. Pas du tout, non, pas du tout. On est toujours un grand tirage. Je vous dis qu'en 2014, à cause de... Bon, il y a la tendance mondiale, c'est la presse écrite, elle va vers le déclin. Ça, c'est un. L'Algérie, quand l'Amérique est touchée, l'Europe est touchée 3-4 ans après. Et quand l'Europe est touchée, l'Algérie, c'est 10 ans après. Nous sommes toujours dans le Moyen-Âge, dans tous les domaines. Bon, ça, c'est une donnée... scientifique. Vous l'admettez pour le secteur de la presse écrite? De la presse écrite, oui. Maintenant, l'année passée, il y a eu l'avènement de la 3G. À l'époque, c'est celui qui a un ordinateur, qui n'achète pas le journal, mais on donnait le journal gratuitement. On ne peut pas faire payer les gens jusqu'à présent, à cause de notre système bancaire obsolète. Et puis maintenant, s'ils consultent le journal à la télé, il y a beaucoup de sites, donc il est informé. Il est informé à temps. Il y a cette tendance mondiale, les jeunes vont plus vers la téléphonie. Ils consultent son journal sur le smartphone, ils n'ont pas de relation avec le papier journal. Et c'est une tendance mondiale. Donc nous, on a commencé dès l'année passée tout à se préparer pour ça. On va en parler dans la... Lancer une télévision et assurer une transition numérique.
une transition vers le numérique. Ce qu'il n'y a pas sur le journal, il y aura un autre site internet complètement indépendant du journal Khabar qu'on va lancer incessamment. On essaie d'améliorer maintenant et former les gens. Vous avez décidé de ce site qui est indépendant ? Vous allez le lancer ? On va le lancer, oui, mais en temps opportun, il faut qu'on se prépare. On se prépare bien. Nous avons beaucoup d'investissements en matière d'audiovisuel, la télévision qui consomme quand même. Qui consomme, c'est une grosse machine, si vous voulez. Hein. C'est beaucoup d'argent. Les revenus ne sont pas en augmentation. C'est pas le moment. Il faut attendre 3 ans pour voir un peu. Et puis si on donne un chiffre, au Maroc, le marché de la publicité, je crois qu'il est à 250 millions de dollars. Avec 37 millions d'habitants. En Algérie, c'est 150 millions de dollars avec le même nombre d'habitants. Donc, en Tunisie, c'est 100 millions de dollars avec 12 millions. Donc, vous voyez les chiffres. Donc, le marché de la publicité en Algérie, il est toujours... contraint. Et avec les injonctions du gouvernement, il y a beaucoup d'annonceurs publicitaires qui ont complètement éliminé des campagnes publicitaires dans tous les journaux. Il y a des gens qui ont dit, bon, on donne au compte-gouttes, moi je veux faire la pub là où je veux, mais comme on me menace, je vais donner... Monsieur Chérif, il y a... Monsieur, vous nous avez expliqué, on le sait, que Khabar, c'est un groupe... le journal Khabar est un journal crédible. Ça, tout le monde le sait dans la profession, et c'est reconnu, disons. Bon, ce qu'on voudrait savoir, nous, est-ce que c'est un journal aujourd'hui... Voilà. Est-ce que c'est... Absolument. Est-ce que c'est un journal aujourd'hui qui, en dépit de sa, disons, de sa qualité, de sa tenue sur le plan déontologique, en dépit des attaques dont il fait l'objet aujourd'hui, qui sont claires, vous nous avez exposé, est-ce que c'est un journal qui est rentable, qui est prospère, qui tient la route ? J'ai répondu tout à l'heure. Vous gagnez de l'argent. Et si on ne gagne pas d'argent, on ferme. Très bien. On ne peut pas fermer. Parce qu'on n'a pas le trésor ou bon. Mais quand même, on peut se permettre d'aller vers les banques une année ou deux, mais sur le positionnement éditorial, c'est la question que je voulais poser, Hassan. Elle est un peu dans la continuité de ce qu'a dit Hassan. Vous avez subi une attaque de la concurrence. Enfin, moi, je peux les nommer. Hein, c'est Chorouk en premier, puis le Nahar ensuite, dans une surenchère encore plus populiste. Donc, Chorouk vous a débordé un peu sur votre aile populiste. Ensuite, Nahar a débordé Chorouk sur ce flanc millénariste et qui fait appel souvent, malheureusement, aux sentiments les plus bas, je me permets, d'endosser ce jugement. Est-ce que vous n'avez pas été un peu sur votre positionnement, un peu tenté de faire un peu la même chose ces derniers temps ? Pas tenté, c'est-à-dire que la presse, nous avons une ligne éditoriale très claire, très très claire. Une démocratique républicaine contre le terrorisme, contre tous les dépassements, contre l'intégrisme. Nous sommes contre l'intégrisme, mais nous sommes des musulmans, nous sommes des Algériens, nous n'avons aucun complexe. Mais on retrouve des titres xénophobes parfois dans le Khabar. Non, je ne pense pas. Vis-à-vis des subsahariens, et il est arrivé une fois ou deux qu'il y ait des titres dont la tournure était discutable. Je ne pense pas, mais bon, c'est puisque vous le dites. Parce que c'est quand même chair. Malheureusement, d'une partie de votre concurrence. Je ne pense pas, c'était. Non, moi, on n'est pas dans le populisme. Je vous cite, par exemple, le cas des problèmes qu'il y a eu avec les Égyptiens. Nous ne sommes pas passés à l'insulte, au dénigrement des Égyptiens et tout. Peut-être très rarement un commentaire, peut-être. Mais nous voulons quand même tirer le lecteur vers le haut. Ce n'est pas nous qui descendons vers le si bas. Et nous nous sommes concentrés sur les méfaits du régime policier de Moubarak. Parce que vous connaissez l'Égypte, ils ont des relais médiatiques. Le président part, c'est tout le monde qui le suit. Et les insultes commencent.
Les dépassements, j'ai vu des émissions, j'ai vu une ou deux, après j'ai décidé de ne plus voir, parce que ce n'est pas des émissions en Égypte, c'est grave ce qu'ils font. Et nous, nous n'avons pas répondu de la sorte. Nous sommes restés sur un plan politique et plan de la récupération du régime, de cette débâcle, ou de ce problème qu'il y a eu après Omdurman. Donc vous nous dites, vous avez résisté à la tentation d'aller vers un positionnement éditorial plus populaire. Et on pouvait aller vers De la religion, du sexe, des faits divers. On aurait augmenté notre tirage, mais c'est pas notre. Nous voulons un tirage qui vient par le professionnalisme, pas par Shawada ou Seher. Nous ne voulons pas de ça, nous le faisons. Si on le fait, si on fait un dossier sur ça, comment on le fait, sur les ravages que fait. Et nous n'avons jamais cessé de dénoncer ces comportements. Donc ça, c'est pas correct. Très bien. Alors, on a parlé un petit bout de votre diversification. Donc, on a parlé de la transition numérique que vous allez engager, notamment en lançant un site Internet. Ça nous intéresse beaucoup. Mais dans les faits, vous avez d'abord commencé par la télévision. La question que j'ai envie de vous poser, M. Chevalier, c'est que vous avez démarré en retard par rapport aux autres télévisions privées. Pourquoi ? Et pourquoi, finalement, vous avez décidé d'y aller ? C'est pas qu'on a démarré en retard. Bah, on peut pas dire en retard. On est en retard par rapport à d'autres. Oui, peut-être qu'ils avaient plus de facilitation, plus de moyens, plus de... je ne sais pas. Mais nous comptons sur nos propres moyens. Nous comptons sur nos propres moyens, nous voulons d'abord étudier la chose. Nous avons fait une étude avec des gens très compétents, spécialisés de l'étranger, pour voir comment... Donc, et puis on a décidé d'y aller parce que c'était en début 2014, la télé a commencé à émettre. KBC, en plus c'était son nom. Oui, KBC, donc a commencé à émettre. Monsieur, est-ce que ça coûte cher de lancer une télévision? C'est quel investissement? Bien sûr que ça coûte cher. Ça représentait quel investissement? Ça représentait quel investissement pour vous? Quel montant? D'abord, il fallait construire un siège aussi. On avait un hangar d'une imprimerie qu'on a aménagé en studio et tout. Donc le siège coûte de l'argent, il faut l'équiper. Nous voulons faire un travail quand même, aller vers une télévision moderne, quoi, moderne, avec les moyens, le minimum de moyens. Mais est-ce que finalement vous n'avez quand même pas pris un gros risque? Parce que le marché publicitaire dans la télévision, c'est la même chose que dans le privé. Il est fermé. En Algérie, c'est comme ça. Mais l'Algérie ne va pas rester fermée. Donc c'est un pari que vous prenez sur l'avenir. Il faut quand? Parce que le jour où on a créé le journal Khabar, tout le monde, nos aînés qui étaient à Chab, nous étions les plus jeunes. Moi j'avais 28 ans. Nos aînés qui étaient nos responsables et tout, C'est comme une autre époque. Hein, ils ont rigolé, le cas de Drari, comment qu'ils peuvent créer un journal. On n'allait pas tenir trop. On était au début de l'ouverture démocratique et le gouvernement, je crois que si je me souviens mieux, c'était le gouvernement de Mouloud Hamrouche. Oui. C'est un peu différent quand même. Oui, très différent. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup de... Alors que maintenant, vous avez Hamid Guilin comme vis-à-vis. Et la publicité pour KBC comme pour le Khabar, à mon avis, c'est la même pression, j'imagine. Quelle pression? Pour les annonceurs. Aujourd'hui. Oui, c'est la même pression, mais maintenant, bon, l'État possède a beaucoup d'argent. Quand ils ont beaucoup d'argent, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit aux étrangers, ne venez pas. C'est quand il y a un 49, c'est comme ça. On envoie tout le monde balader, pour moi, ce n'est pas une politique. Parce que l'argent du pétrole, il ne faut pas l'utiliser. Moi, je n'aurais jamais nationalisé d'autres sociétés, d'abord qu'on a déjà privatisées. Vous connaissez. Vous faites allusion à ArcelorMittal et à Sidera à Annaba. Monsieur Risky, vous ne nous avez pas répondu. C'est-à-dire un gouvernement qui se respecte et qui œuvre pour le bien du pays, ne va pas nationaliser des... Vous n'avez pas répondu sur le montant de l'investissement que ça représente. Une télévision, ça vous a coûté un ordre de grandeur. Ça coûte combien de lancer une télévision? Ça vous a coûté combien? À peu près 5 millions, 6 millions de dollars.
6 millions de dollars, quand même. 5 millions de dollars, après. Ça, c'est pour les locaux, les équipements, ouais, etc. Oui, puis il faut acheter des programmes. Vous, pour cet argent-là, vous l'avez, disons, puisé dans vos fonds propres, ou là, vous avez fait appel à des crédits bancaires, ou là, vous... Non, il y a les deux. Les deux. Il faut beaucoup de fonds propres, il faut beaucoup d'argent des banques, bien vous sûr. Vous avez emprunté à des banques? À des banques publiques, privées, à des banques... Privées, à des banques privées. L'avantage du groupe de l'Khabar et des filiales, c'est que vous pouvez nantir des biens patrimoniaux qui font que vous êtes que vous êtes bancable. Nous avons le siège là où il y a la télé. Bon, c'est entre nous et l'Ouattan. Bon, c'est le siège de l'ex boîte de diffusion et l'imprimerie, parce que l'imprimerie est partie à El Nadja, là où il y a les machines très moderne, très puissante. Donc l'ancienne imprimerie qu'il y avait, c'était une petite imprimerie. C'était valable en 98 quand il y avait les tirages un peu moyens, si vous voulez. Maintenant, on l'a emmené à Nadja. Là, à Nadja, on a ramené deux machines, MAN. L'ancienne imprimerie qui n'avait pas une capacité importante, on l'a emmené à Ouargla parce que les autorités, la SIA, a refusé de nous tirer à Ouargla. Comme elle refuse maintenant de nous tirer à Béchar. Parce qu'ils nous disent, vous avez vos imprimeries, bon, ça se passe en haut lieu, c'est pas... Bien sûr. On a présenté un dossier pour Ouargla, ils ont accepté, ils ont dit même, ramenez le chèque. On a présenté un dossier de A à Z, certificat d'existence. Pourtant, le Khabar a tiré là, ici. À la dernière minute, on devait commencer, après, ils ne répondent plus. Donc vous avez libéré la Achor et c'est là que vous avez installé votre siège de télévision. Tout à fait. C'est l'ancien. Vous avez un business plan, vous pensez que c'est une filiale qui va finir par ne plus perdre d'argent d'ici 3-4 ans? Oui, normalement, d'ici 3 ans, ça va se... C'est ça l'étude. Maintenant, je ne suis pas dedans dans la gestion. Donc moi, je suis un membre du conseil d'administration, je suis de loin. Il faut laisser les gérants travailler et faire leur travail. C'est comme ça, il ne faut pas s'ingérer. Il ne faut pas s'ingérer dans la gestion des... Il y a un problème quand même. Le statut de la presse des télévisions, c'est un statut de offshore, c'est un statut de télévision extérieure. Ça, c'est une question qu'il faut poser aux autorités. Nous voulions attendre la loi. Oui, c'est ce qu'a décidé l'OTAN. L'OTAN a décidé d'attendre. La loi est sortie, mais vous n'aurez jamais de télévision selon la loi algérienne. Parce que c'était juste après, c'était juste après le printemps arabe, ils ont fait des lois comme ça, ouverture, mais s'il n'y a pas le texte réglementaire, s'il n'y a pas le cahier des charges, il n'y aura pas de télévision algérienne. Il n'y aura jamais. Est-ce que vous avez comme le chourouk, c'est ce qu'on dit, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être... Parce que le seul pays qui n'a pas de télévision, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Est-ce que vous avez... Est-ce que il faut se poser cette question. Absolument. Est-ce que alors, comment on facture la publicité dans ce cas-là? Comment la KBC facture la publicité? Nous avons une société de droit algérien. D'accord. Et KBC, c'est l'émission. Celle qui émet, elle s'appelle KBC. La société qui est en charge en Algérie, de droit algérien, c'est World Vision. D'accord. Ousma, la World Vision. Et quand on veut communiquer sur KBC, on traite avec World Vision. On va vers la World Vision, qui est une société de droit algérien, et paye les impôts et tout, il n'y a pas de problème. Vous ne regrettez pas votre stratégie d'acquisition patrimoniale? Vous avez fait des imprimeries. Non, alors, dans la durée, si les tirages doivent baisser, est-ce que c'est pas, finalement, ça va devenir un fardeau entre vos mains dans 10 ans? Vous les aurez amortis. Vous allez me dire que ça sera déjà largement amorti. On prépare la transition numérique. L'Ouattan a un siège. Ça tombe. On va bientôt l'inaugurer, oui. Je suis content qu'un journal, tous les journaux algériens, aient leur propre siège. Ça fait partie de l'image de marque d'un groupe de presse. Et demain, il peut louer 7-8 étages ou il va se contenter de 5 ou 6 en bas. Et puis quelqu'un qui vient louer chez l'Ouattan, c'est quand même, il dit à l'Ouattan, c'est déjà une adresse. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on va vers la location. Nous avons acheté beaucoup de bureaux dans les wilayas. Parce que, pourquoi? Vous louez chez quelqu'un, dans 2 ans, il vous dit, je vous augmente.
3 ans, je vous augmente. Et vous, vous voulez rester sur la même place, sur la même rue, sur la même... Vous vous trouvez otage. Après, à chaque fois, oui, bah, il y a 15 jours, j'ai augmenté pour quelqu'un. J'ai augmenté sans... S'il n'y avait pas les investissements qu'on est en train de faire, on achète. L'année passée, ou l'année d'avant, on a acheté à Bijaya, à Tlemcen. On a acheté, je vous donne par exemple à Bijaya, 7 millions de dinars. Maintenant, il peut faire le double à Sétif. On a changé le bureau de Sétif à Tlemcen. Et nous faisons ça quand on peut. Alors, ça, c'est des acquisitions en patrimoine. Des acquisitions de la croissance extérieure. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir, de vous dire que vous devriez acheter des titres, des magazines, je ne sais pas moi, un site internet, une chaîne télé qui a démarré avant vous, qui est une thématique, vous allez faire rentrer dans le bouquet. Nous n'avons pas pensé à ça, pas d'acquisition, parce que pour acheter un journal avec ses dettes, il vaut mieux créer un nouveau, parce que nous sommes journalistes, donc nous pouvons créer un journal. Un journal sportif a été acheté... Vous savez, le Monde a acheté le Nouvel Observateur, hein, ou Télérama. Le Nouvel Observateur, il est prestigieux. Mais ici, vous pouvez créer un journal, au lieu d'acheter un et prendre en charge ses dettes et ses... C'est comment... Enfin, il y avait des dettes aussi, hein, pour Nouvel Observateur, cela dit au passage. Non, mais même le Monde a des dettes. Oui, là, c'est autre chose. Jusque maintenant, votre croissance, donc, vous l'avez, que ce soit dans les imprimeries au départ ou dans la télévision aujourd'hui, dans le numérique, vous l'avez financée en gros en fonds propres, un petit peu en crédit bancaire. Est-ce que vous envisagez à l'avenir, vous, de prendre une dimension supérieure en faisant appel à de nouveaux partenaires, par exemple, à des investisseurs nationaux ou étrangers? Tout est possible. Nous avons fait une assemblée générale il y a 7-8 mois. Non, pas 7-8 mois, oui, peut-être décembre, pour dire qu'on ouvre le capital de la chaîne de télévision. Je ne sais pas, il y a des membres qui ont été chargés de contacter, voir des gens. C'est comme ça, des contacts. Je te vois dans une réception, je peux t'en parler, mais je n'en sais rien. Mais on est ouvert, nous, on est ouvert. Nous sommes un groupe nous sommes un journal d'abord qui prend l'ouverture. Et monsieur, l'ouverture monsieur, sur le plan économique. Je suis un investisseur, je viens vous voir. Vous me proposez de rentrer dans le capital de la filiale qui perd le plus d'argent. Je vais vous dire, ouvrez-moi aussi le capital de la vache à lait, désolé d'appeler comme ça le khabar, oui. La cash machine. Je prends aussi un peu de j'achète un peu aussi dans le khabar. Il n'y a pas de décision qui a été prise. Donc moi, je ne peux pas parler au nom des actionnaires. Il y a des actionnaires qui prennent cette décision. Pour prendre une décision, il faut convoquer l'Assemblée générale, une AGE. Mais le principe, il est retenu pour la filiale télévision, il est retenu. Pour la filiale, elle a été décidée, mais pour le journal, si quelqu'un vient, on peut... C'est pas une offre. C'est pas une offre. Vous pouvez examiner cette possibilité. C'est pas une offre. Non, on peut voir avec les actionnaires. D'abord, qu'est-ce que vous pensez? Si la tendance est vers le non, on ne va même pas tenir d'assemblée générale extraordinaire. Pourquoi la faire? Si la tendance est claire, on va commencer à travailler. C'est tout, il n'y a pas de problème. Les actionnaires de Khabar aujourd'hui, c'est qui? C'est des journalistes. C'est des journalistes. Vous êtes combien? Bon, comme on avait des morts, on était 26. Après, 8 sont partis au début du journal qui était laborieux. Nous sommes restés 18, mais bon, nous avons perdu Omar Outilan Lahirahmo, donc il y a son fils, un seul, donc c'est le même nombre. Amer, il a. Amer, un autre, il a des héritiers. Et Snatchki Lahirahmo, qui était l'ancien rédacteur en chef, il a aussi des héritiers, donc nous sommes un peu plus nombreux, mais il n'y a pas de problème. Vous, chef, parce que vous faites partie des managers qui pensent que la vocation d'un journal, c'est d'être détenu que par des journalistes. Vous pensez que dans la longue durée, pour se développer, il faut que le tour de table soit varié. Je ne sais pas quelle forme de journaliste on veut. Nous évoluons, bien sûr, mais nous avons été élevés dans une période assez... les années 80, socialisme, les droits... les travailleurs, les droits. Mais nous avons évolué vers une société, c'est-à-dire on accepte le capitalisme, on accepte l'entreprise. Maintenant,
Maintenant, l'évolution, peut-être dans 10 ans, il n'y aura plus de journaux qui soient appartiennent exclusivement aux journalistes. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura plus. Aujourd'hui, on ne peut plus créer de nouveaux journaux avec seulement des journalistes. C'est déjà une réalité. Mais il y a des journalistes qui le créent. Il y a des journalistes qui le créent. Souvent, ils se mettent avec des hommes d'affaires ou avec des hommes qui sont proches du régime. Hein? Pas nécessairement. Leur fils ou... Bah, je connais beaucoup de Alors, vous m'offrez l'occasion. Des personnes qui sont... Qui ont créé des journaux, même des télés, et qui sont dans le pouvoir. Donc, je ne sais pas. Il y a cette jonction entre le pouvoir et l'argent. Donc, finalement, dans la conjoncture... Je ne sais pas. Dans la conjoncture, Monsieur Chevretry, pour finir, dans la conjoncture, dans l'écosystème de la presse, pour le Khabar, l'événement le plus important pour vous, qui peut changer les choses, parce qu'on a bien compris que vous allez ralentir les investissements pour consolider, hein, vous allez ralentir un petit peu pour consolider... Il n'y a plus d'investissements à faire. Oui, la télé... Eh ben, et vous êtes obligé d'attendre puisque il y a le numérique, un site, c'est d'accord. Normal parce que l'avenir c'est pour le numérique. Donc nous n'avons pas investi en dehors du secteur de la presse. Ça c'est une décision claire, nette et précise. D'accord. Nous investissons dans le domaine que vous connaissez, qui nous est cher. Voilà. Et dans lequel vous avez une expertise, évidemment, c'est celui, voilà, celui des médias. Mauvais. Vous avez été approché pour est-ce qu'il y a eu des approches pour KBC? Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires qui vous ont approché? Moi, je ne suis pas... directement en charge de je ça. Je ne suis pas en charge, ni directement, ni indirectement. C'est-à-dire, si on se voit au niveau du conseil, on voit. Mais franchement, je n'ai pas de réponse. Mais je crois que par les temps qui courent, les gens ont peur, je crois. Ont peur, c'est voilà. Ça. Je vous dis, bah, ils vont soutenir le journal Adak, avec le journal Khabar, je pique, qui fait ça. Monsieur Chevretry, merci d'être venu, merci d'être venu nous parler aussi sincèrement de votre métier et de votre belle expérience. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.